Bonjour tout le monde. Big Nick's Picks here. Back again. The first ever video on this channel. Première vidéo sur cette chaîne où on va faire des reviews sur les albums, de la musique, tout. EP. Give me that shit, bro. Give me that shit. Donc, bonjour. Je vais me présenter. Mon nom c'est Nicolas. Le propriétaire, ou on peut dire, de ça. The Big Nick's Picks. Je vais faire beaucoup de vidéos sur, comment je peux dire ça, on peut faire beaucoup de vidéos sur la musique, LP, albums, disez-moi là, je vais le faire. On va commencer avec mon premier review, puis c'est Kilo Pinceau, du rappeur Glock au carré. Rapper Glock au carré, du Québec, un rappeur québécois qui commence à être très bien populaire au Québec. Avec cette chanson-là, Kilo Pinceau. La première écoute que j'ai faite dessus, j'ai dit waouh, c'est une bonne chanson. Ça peut bien être pour son futur. C'est très bon, c'est très bien fait. Je trouve, qu'est-ce que je peux vous dire de mon expérience écoutée? Ben, je trouve que c'est quand même un petit 10 après l'autre rappeur Skim, un autre rappeur québécois qui habite à Québec. That's what I can say. It's another diss over a rapper named Skim, where he says like fuck Skim, fuck Skim, fuck Skim. There's a whole story like about there's two. Il y a deux parties de cette chanson là. Première c'est où ce que c'est un petit diss. Deux où ce que c'est genre qui commence à exploser, il se réveille puis après ça il commence à dire comment il est millionnaire, il va être millionnaire dans le futur, comment il veut aider les autres. Ce que j'aime de ces genres de musique-là, québécois. Moi, je suis pas un gars québécois qui écoute de la musique québécois, mais ça, c'est un assez de bonne chanson, tune. Si j'étais dans une radio, je l'écouterais. Il y a un peu de buff sur ça, mais le beat est bon. C'est un bon beat. C'est un bon beat pour une chanson, là. Puis, ouais. Donc, dans le fond, le truc que j'aime pas trop, il y a un peu de lyrics qui fait pas trop de sens. Cool à Laurent. I mean, that's alright. You could bring your funny side into the story. But I like this. Genre, je trouve que comment il l'a fait, c'est bien. Pour un premier projet qu'il a fait, c'est bon. S'il sort un album, puis c'est comme ça, là, son album, ça va être bon. Yo, genre, c'est très fire. Puis, ben, c'est ça que je peux dire. Là. Genre, le mix est bon. Sa voix dessus est bonne. Genre, c'est pas comme Eminem Revival, ça c'était fucking dog shit. Mais c'est ça. Là. Donc, ça, le beat était bon, lyrics était bon. Puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. It's again, it's my first review. I don't know what else to say. I'm trying to be better and shit like that. But, anyways, Glock au carré is a really good rapper for this song, Kilo Pinceau. It's a good song, it's a good track. Well, it's not a track, but it's a good song. I like what he puts into it. I like the beat. I like how he makes the song happen. Like, with the... You have two sides of the song, in my opinion. Which, the first one, it's like a little diss on his another known rapper in Quebec named Skim. Which, I think that him and Skim have a beef. Most probably. I don't know. I really don't know. But then after the second part, where the inner demon himself, he wakes up and then he fucks shit up. They're like, it's really good, which I like about it. So, with that being said, the beat was good. I find that a lot of it was good. I find that Glock au carré has a good future in rap. He could be really good. I'm excited to see what else he's gonna do, because this guy has he has potential, a lot of good potential. Not like some other Quebec rappers. Just saying. So for this track, I'm feeling a light to decent 7 on this one. Un petit, un moyen 7 sur 10. Si vous avez des idées, envoie-moi le Insta. Big Nick's Presents. First review ever.